Bonjour toi. Si je te dis une jeune fille, un chat qui parle, deux tantes un peu barges, tout ça saupoudré de quelques gouttes de magie, est-ce que tu vois de quoi je parle ? Bien sûr, tu as compris que je vais parler de Sabrina, l'apprentie sorcière. Et cette année, pour la période d'Halloween, le remake de Sabrina d'il y a 15 ans est sorti sur Netflix. Et contrairement à mes souvenirs d'adolescente, la nouvelle série déménage plutôt pas mal. Sabrina Spellman vit avec ses tantes, Hilda et Zelda, qui l'ont élevée à la mort de ses parents, et son cousin, Ambrose, dans la petite ville de Grindel. Tout se passe plutôt bien dans sa vie de lycéenne sans histoire entre ses amis et son copain Harvey. Sauf que Sabrina est une sorcière, et évidemment, arrivée au jour de ses 16 ans, elle doit faire son baptême noir. Mais Sabrina hésite beaucoup sur ce point, car il faut se livrer entièrement au diable et emprunter la voie du mal. Le scénario a l'air un peu simple, mais ça ne l'est pas. Ici, contrairement à l'ancienne série, tout est plus dark, plus adulte et donc plus complexe. Sabrina est coincée entre sa vie de lycéenne sans histoire et sa vie de sorcière, où le thème du diable et du malin est omniprésent. Elle devra faire un choix et sacrifier, littéralement, une partie de sa vie. Abordant des sujets plus vastes et profonds, les nouvelles aventures de Sabrina partent d'un postulat simple et pourtant fonctionnent. Cette première saison est pleine de rebondissements et on comprend étonnamment que les sorcières Spellman ne sont pas forcément des bonnes sorcières. Alors du coup, ça nous place dans une position, nous, relativement étonnante et on commence à se poser des questions plutôt éthiques. Et c'est là qu'on est positivement surpris. La série aborde des thèmes importants que je ne pensais pas trouver dans une sitcom comme celle-ci. Cette Sabrina 2018 a su me convaincre par son rythme, son scénario et ses personnages, à qui je trouve on s'attache facilement parce qu'ils sont bien écrits et vraiment intéressants.